Le métier de shaper, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Jamais j'aurais cru faire ce métier. Je sais même pas si quand j'étais gamin, je savais qu'il existait ce métier, en fait. On commence à le connaître quand on commence vraiment à s'intéresser au surf. On se dit, tiens, il n'y a pas que les planches qu'on voit en magasin, il y a des gars qui en fabriquent. C'est un métier où on a encore la chance de pouvoir faire un produit du début à la fin. Le surfeur vient nous voir pour qu'on lui fasse la planche de ses rêves, c'est ça. Et ce qui est génial dans ce métier-là, c'est que sur les 300 planches qu'on fait dans l'année, il y en a 280 qui sont faites sur mesure pour une personne qui est complètement différente de celle qui viendra la semaine d'après, quoi. Bah, du coup, pour bien voir, tu la prends dans les mains, tu regardes sous le bras comment tu sens les rails. C'est un peu, voilà, c'est de la sculpture, quoi. Quand il y a des vagues, ça nous arrive de débaucher pour aller faire un petit coup de surf dans la journée et c'est quelque chose, ça fait partie un peu de notre vie, quoi. D'habiter au bord de la mer, de l'océan, c'est une grande, grande chance, quoi. On vit avec les marées, on vit avec les tempêtes, on vit avec tout ça et ça fait partie, ça, on va dire que ça régule notre quotidien. C'est un métier qui est très épanouissant. Ouais. J'ai de la chance.